Et recoucou les amis douces et les amis doux, nous sommes toujours le mercredi 19 juillet et cette fois-ci je viens vous parler de Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Je m'excuse de rire. On avait convenu quelque chose avec monsieur et puis je vois que je me suis précipitée. Ah si c'est bon. Bon, ça va alors. Et je vous présente, et encore je me plante, et ben oui, je me plante correct même, attends, non ? Voilà, comme ça, voilà. Et me voici avec ma petite Keiko, qui est très amoureuse en ce moment, qui cherche les câlins, etc., etc. Et malgré la chaleur, elle colle. Alors, elle et son chat. C'était sympathique, donc c'est des éditions Charleston, et je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire que sur les autres vidéos, j'ai oublié complètement les éditeurs, à savoir Albin Michel pour la saison des débutantes tome 2, et Babel Noir pour le Keigo Yeshino. Voilà, c'est réparé. Pardon ? Oui. Alors, Elle et son chat, c'est l'histoire d'un chat qui est sur le point de mourir dans la rue lorsque un ange gardien va apparaître sous les traits d'une jeune femme. Ce chat, elle va le recueillir, elle va s'en occuper et elle va le soigner chez le vétérinaire et elle va l'appeler Chobi. Et lui va l'appeler Elle. Et il va développer des sentiments amoureux pour sa maîtresse. Dans ce petit roman, on va voir plusieurs chats qui ont la parole et qui parfois, on a l'impression, communiquent avec leur propriétaire. Et justement, entre ces chats, une coalition se fait parce que, ah oui, toi t'es un tel, toi t'es un tel, toi je connais ta maîtresse, etc. Bon, c'est un petit réseau qui va se former et des amitiés vont se faire. D'autres, malheureusement, vont se défaire. Et ça, je ne peux pas vous en parler plus, sinon je vous spoil un petit moment dans le livre. C'était une bonne lecture. Bon, je pense que j'aurais pas dû lire celui-ci avant, Les Mémoires d'un chat, Hiro Arikawa, chez Babel. Parce que, une fois qu'on a lu celui-ci, Elle et son chat est pas mal, mais il marque pas autant les esprits. Ou alors, il faut soit l'avoir lu avant, soit bien attendre d'avoir digéré, je pense, les mémoires d'un chat. Je sais aussi que Elle et son chat est paru en manga. Maintenant, j'essaierai peut-être de voir combien il y a de tomes, s'il est plus intéressant en manga, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce sont de très très belles histoires qui prônent l'amitié, l'entraide, et puis les aléas de la vie, qui peuvent être bons comme malheureusement mauvais. Par rapport à Keiko, par exemple, elle vient de la rue et un jour, j'ai ouvert la porte et elle s'est faufilée, littéralement. Et depuis, elle fait notre bonheur. Elle a 2 ans, un peu passé maintenant, et on l'adore. On l'adore. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus. Je reviendrai vous voir avec une nouvelle vidéo. Normalement, je la tourne juste après, mais vous l'aurez peut-être un peu plus tard. Parce que voilà, comme dans la vignette, vous voyez, j'ai eu un service presse Netgalley France, Cookie tome 1, de Myriam Bonastre-Tur. Je crois que je prononce pas très bien parce qu'elle est espagnole, cette dame. Et je viendrai vous faire un retour très prochainement, parce que bien sûr, je l'ai dévoré, parce que c'était... génial. Voilà, je ne vous retarde pas plus, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis doux et les amis doux.